Le musée du quotidien est une surface préoccupante entre vous et les autres usagers du métro. C'est un dispositif avec son propre fonctionnement qui vient parasiter et jouer avec les espaces en perpétuel mouvement du métro. Les flux traversent les parois poreuses où les personnes y laissent au passage quelques objets. On dit souvent que les objets parlent de leur possesseur. Vous avez devant vous, sur cette grande surface, le reflet d'une population. Espace de stockage devenu lieu d'exposition, il ressemble à un musée presque anthropologique où toute la large bande culturelle du métro s'y retrouve représentée. La cohésion sociale dans le métro est difficile à cause de l'absence d'accroche et du rapport trop direct que nous imposent ces espaces. Ce système essaie, à l'inverse, de proposer une mise en relation entre les individus, tout en distance, mais pas sans moins de sensibilité. La poésie s'exprime dans la rencontre fortuite des éléments dans un espace donné. C'est l'espace où les objets parlent des modes de vie, des caractères, des humeurs, des souvenirs de leurs possesseurs. Là où les objets se complètent, s'associent, se confrontent, se rencontrent et se donnent à voir comme un spectacle qui se meut quotidiennement. De par sa neutralité, le module permet d'opérer sur les êtres une mise en ordre, un partage de classe, un groupement en termes de forme ou de sens, parfois sont désignés leurs similitudes et leurs différences. Le musée du quotidien ne reste qu'un support, à vous d'en faire ce que vous voulez qu'il devienne.